À l'occasion de la journée mondiale sans plastique, Solibra a lancé la phase 2 du projet Gare Propre qui s'est tenu le mercredi 3 juillet 2024 à la gare routière d'Adjamé. Let's go Solibra, on a Jaïd. On va former 4 groupes. Et les 4 groupes, il y a un groupe qui va prendre de gauche à gauche, c'est-à-dire sur cet aliment là. Le deuxième groupe prend sur l'autre aliment, c'est de rentrer dans les gares, ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Le 3 juillet 2024, à la gare routière d'Adjamé, Solibra a franchi une nouvelle étape dans son engagement pour des espaces publics plus propres. En collaboration avec le district d'Abidjan, les chefs de gare et ses partenaires Poliba et Let's Do It, l'équipe a équipé 4 nouvelles gares de matériel de nettoyage et de collecte de déchets plastiques. Cette initiative ambitieuse vise à améliorer de manière continue la propreté et l'hygiène des gares routières, offrant ainsi aux voyageurs un environnement sain et agréable. Ce que la Solibra et nous sommes associés font pour notre gare, je crois bien que c'est nous qui devons le faire. C'est nous qui devons vraiment le faire. Et ensemble, on doit rendre notre gare vraiment propre. Ici, c'est le lieu où on peut toucher tout type de personnes. Et nous nous disons que si, pendant la sensibilisation, ils ont touché 10 personnes, en fait, c'est 100 personnes qu'ils ont touchées. Parce que ces 10 personnes-là vont porter ce message-là à d'autres personnes qui viennent dans les cas. Je vais faire l'écho de ce que j'ai entendu ici pour que ce projet soit étendu à toutes les gares au niveau du district d'Abidjan. Moi, franchement, je tiens à vous féliciter parce que l'année dernière, je me rappelle, il y a une fois, on ramassait les ordures. Il y a quelqu'un qui on a dit, faut prendre tes déchets, tu vas jeter. Il dit, ah, madame, tant que ici, là, la route est sale comme ça, là, moi, je ne peux pas ramasser. Mais aujourd'hui, on l'a mis au défi. Aujourd'hui, la mairie a fait du boulot. La commune a fait son boulot. Le district a fait son boulot. Le district a rendu la gare propre. Et vu que l'effort est fait, on a dit, on ne peut pas ne pas l'accompagner. Et on a décidé d'ajouter 4 gares en plus aujourd'hui. Donc, on vient faire des dons à 4 gares en plus. On vient accompagner 4 gares en plus pour continuer la sensibilisation, pour continuer tout ce travail qui a été fait. Ce programme vise à résoudre la pollution des déchets plastiques qui mettent plus de 1000 ans à se dégrader. Les plastiques collectés dans des box spécialisés sont récupérés par Poliba pour être valorisés. Cette initiative permet également à Solibra de sensibiliser les usagers de la gare au tri des déchets en utilisant les poubelles disponibles tout en améliorant la propreté et l'hygiène des gares routières.